أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. La suite de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre d'aujourd'hui est intitulé Jibril pour la deuxième fois apporte la révélation. Jibril pour la deuxième fois apporte la révélation. Selon Ibn Hajr, l'objectif de l'interruption de la révélation pendant des jours était de faire revenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa frayeur et aussi de lui faire retrouver l'envie de vivre. Dès que l'objectif fut atteint et que le messager d'Allah azza wa jalla sallallahu alayhi wa sallam se mit à attendre la suite de la révélation, Jibril revint pour la deuxième fois. D'après ce que rapporte Al-Bukhari de Jabir ibn Abdullah, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler de l'interruption de la révélation en ces termes. Alors que je marchais, j'entendis soudain une voix appelant du ciel. Alors, levant les yeux, je vis le même ange qui m'était apparu à Hira, assis sur une chaise entre le ciel et la terre. Je fus tellement surpris que je roulai à terre. De retour à ma famille, je m'écriai « Enveloppez-moi, enveloppez-moi !» Et on m'enveloppa. Alors Allah le Très-Haut fit descendre les versets allant de « Ô toi, le revêtu d'un manteau, à « Écarte-toi !» Ensuite, la révélation se poursuivit ininterrompue. Un autre hadith authentique mentionne « J'ai séjourné pendant un mois à Hira. » Après mon séjour, je descendais, mais lorsque je pénétrais dans la vallée, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna ce qui précède. En d'autres termes, il descendit après y avoir passé le mois de Ramadan. L'intervalle entre les deux révélations était de 10 jours, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne passa pas un Ramadan à la grotte de Hira après la descente de la première révélation. Ces versets de la sourate de l'adhérence al-Alaq furent le point de départ de la mission. Leur postérité par rapport à l'événement de la prophétie s'aperçit sur la base de leur période de révélation. Il comporte deux types de charges et précise au prophète sallallahu alayhi wa sallam les attitudes à tenir. Le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à charge de communiquer et d'avertir, comme le laisse apparaître la parole d'Allah, lève-toi et avertis, dans le sens et avertis les gens contre le châtiment que leur infligera Allah s'ils ne sortent pas de leur légèreté, de leur égarement, s'ils ne renoncent pas à adorer autre qu'Allah et aussi à l'associer à d'autres dans son essence, ses attributs, ses droits et ses actes. Deuxième, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait aussi à charge d'appliquer sur lui-même les ordres d'Allah, le transcendant, le Très-Haut, de s'attacher à ses ordres pour obtenir par ce biais sa satisfaction et devenir le bon exemple pour quiconque croit en Allah. Cela apparaît dans le reste des versets.
Allah dit, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. En d'autres termes, célèbre exclusivement sa grandeur. Et à cela n'associe personne. Et tes vêtements purifie-les. Le sens littéral ici est purification des vêtements et du corps, car, bien sûr, celui qui célèbre la grandeur d'Allah et se présente à lui ne doit avoir aucune marque de souillure et de saleté. Si c'est une telle purification qu'on demande, à plus forte raison la purification des ordures de l'associationnisme ainsi que de la turpitude des actes et des caractères. La parole est de ton péché, écarte-toi, veut dire éloigne-toi de tout ce qui entraîne la colère d'Allah Azzawajal et détermine celui-ci à châtier, et cela en t'attachant à obéir et à éviter les actes de désobéissance. La parole et ne donne pas dans le but de recevoir davantage signifie ne pratique pas le bien pour ensuite en chercher rémunération chez les gens ou viser à en avoir meilleure rétribution en ce bas monde. Quant au dernier verset, et pour ton Seigneur en dur, il renferme un avertissement contre le mal que son peuple à lui, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pourrait lui faire si professant une autre religion. Il l'appelait à Allah et à Allah seul sans associé, l'avertissait contre la violence du châtiment que leur réserve celui-ci. De surcroît, le début de la sourate englobe un appel sublime, fait d'une voix éminente, choisissant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour porter l'illustre charge, l'arrachant du sommeil, de son manteau et de la chaleur de son lit, pour le mener au combat, à la lutte et aux épreuves. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ô toi revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Tout se passe comme si l'on disait, ceux qui vivent pour eux-mêmes pourraient trouver le repos. Quant à toi qui portes ce lourd fardeau, qu'as-tu à faire du sommeil? Où trouveras-tu le repos? Qu'as-tu à faire de la chaleur du lit, de la vie paisible et des commodités? Debout, une grande affaire t'attend. Le lourd fardeau t'attend. Debout, au travail, fais tes efforts, trime, fatigue-toi. Debout, ce n'est pas l'heure du sommeil et du repos. Tu ne connaîtras désormais qu'insomnie continuelle et pénibles activités. Debout, prépare-toi pour cette affaire, sois prêt. C'est donc une parole à la fois sublime et redoutable qui l'arracha de la chaleur du lit au cours de la maison paisible pour le pousser au large entre les remous et les tempêtes, entre la pression et l'attraction que décrivait la conscience des gens et la réalité de la vie. Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se leva et ensuite resta debout pendant 20 ans, au cours desquels il ne connut ni repos et ne vécut ni pour lui-même ni pour sa famille. Il se leva et resta debout pour appeler à Allah et porter l'écrasant fardeau sans toutefois succomber. Le fardeau de la grande loyauté à la surface de cette terre, le fardeau de toute l'humanité, le fardeau de la croyance dans son entièreté, le fardeau de la lutte et du jihad à mener dans des domaines extrêmement variés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa plus de 20 ans dans une bataille rude et continue. Au cours de cette bataille,
Rien ne le détourna de son objectif, à savoir, depuis qu'il perçut l'appel haut et sublime et reçut par ce biais la charge redoutable. Puisse Allah le rétribuer en bien au nom de toute l'humanité. Les pages qui suivent ne sont qu'une simple image réduite de ce long et pénible jihad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué au cours de cette période. Délimitation des étapes de la révélation. Avant de commencer à étudier dans le détail le message et la prophétie, nous tenons à prendre conscience des étapes de la révélation qui est la source du message et le soutien de l'appel. À cet égard, mentionnant les étapes de la révélation, Ibn al-Qayyim met en œuvre les indications ci-dessus. Première étape, le rêve prémonitoire comme début de la révélation. Deuxième étape, l'ange inspira l'esprit et le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en restant invisible, comme le note d'ailleurs celui-ci. Le Saint-Esprit souffla dans mon esprit que l'homme ne saurait mourir avant de prendre tout ce qui lui revient comme moyen de subsistance. Alors, craignez Allah, utilisez des méthodes saines à la quête de tels moyens. Que le retard de ceux-ci ne vous porte pas à aller chercher dans la désobéissance à Allah. Ce qu'il y a en Allah ne s'obtient que par l'obéissance. Troisième étape, l'ange lui apparaissait sous une forme humaine et communiquait avec lui au point de lui faire comprendre son propos. À cette étape, les compagnons le voyaient quelquefois. Quatrième étape, l'ange lui venait avec quelque chose de semblable à des grelets et qui, percutant, l'embroyait de telle sorte que son front ruisselait de sueur. Nonobstant l'intensité du froid et que sa monture se voutrait si toutefois il l'enfourchait. La révélation lui était déjà parvenue sous cette forme, alors que sa cuisse était sur celle de Zayd ibn Thabit, qui faillit d'ailleurs se casser sous le poids qui pesait sur elle. Cinquième étape, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait l'ange tel qu'Allah l'avait créé. Celui-ci lui révéla ce qu'Allah voulait qu'il lui révéla. Cela lui arriva deux fois, comme Allah le rappelle dans la sourate des étoiles. Sixième étape, il s'agit là de ce qu'Allah lui a directement révélé, alors qu'il était dans les cieux, la nuit de l'ascension, l'obligation de la prière, entre autres. Septième étape, Allah lui parla directement, sans aucun ange interposé, de la même manière que le Très-Haut avait parlé à Moussa ibn Imran, la paix d'Allah sur lui. Cette étape, pour ce qui est de Moussa, est expressément citée par le Coran. En ce qui concerne notre prophète, sallam, elle est relatée dans le voyage nocturne. Certains ulama, savants, ajoute à ces étapes une huitième identifiée comme étant celle où Allah s'adressa à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam face à face en l'absence de tout voile. Une telle question est toutefois la pomme de discorde entre les salafites et
les Calafites anciens et leur postérité. Voilà un bref résumé des 8 étapes, mais il faut dire que la 8e ne se fonde sur aucune preuve. L'effort, première étape, l'effort d'appel à Allah. 3 ans d'appel secret. Comme on le sait, la Mecque était le centre religieux des Arabes. Il y avait des gardiens de la Kaaba ainsi que les prêtres chargés de veiller sur les idoles sacrées au regard du reste des Arabes. Et parvenir à l'objectif de redressement nécessité était d'une difficulté et d'une rudesse sans cesse croissante, car il fallait faire preuve d'une détermination à l'épreuve des adversités et des catastrophes. Face à cette situation, il est bien normal que l'appel fût secret dans ses balbutiements, de manière à éviter de surprendre les Mécois avec une réalité les poussant à recourir à la violence. Les premiers fidèles. Il était tout naturel que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, exposa d'abord l'islam aux gens qui lui étaient attachés, aux membres de sa famille et à ses amis. Il les appela à l'islam de la même manière qu'il y appela tous ceux en qui il avait observé de bons signes parmi ceux qu'il connaissait pour leur amour d'Allah, de la vérité et leur amour du bien. Ceux qui le connaissaient dans le culte et la sincérité et de la bonté. De ces gens qui, du reste, n'avaient jamais mis en doute la grandeur de la majesté d'Allah et qui tenaient pour vraie la nouvelle qu'il leur avait apportée. Lui répondit un groupe de personnes identifiées à travers l'histoire de l'islam comme étant les pionniers. Les pionniers on retrouvait à la tête de ce groupe sa femme Khadija binti Khuwaylid, la mère des croyants, son esclave affranchi Zayd ibn Haritha ibn Shurahbil al-Kalbi, son cousin Ali Ibn Abi Talib, qui était un garçon à la charge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son ami intime Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Ceux-ci embrassèrent l'islam dès le premier jour de l'appel. Sayyidina Abu Bakr s'investit par la suite dans l'appel à l'islam. C'était un homme familier, aimable, est très simple, ayant du caractère et enclin au bien. Les hommes de sa tribu le fréquentaient, se familiarisaient avec lui pour ses connaissances, son commerce et sa bonne compagnie. Il se mit à appeler ceux de ses contubules qui avaient confiance en lui, ses protégés et ceux qui le fréquentaient. Grâce à son appel, Sayyidina Othman ibn Affan, Az-Zubayr ibn Awam, Al-Asdi, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Az-Zuhri et Talha ibn Ubaydillah embrassèrent l'islam. Ces 8
qui devancèrent tous les autres furent le peloton de tête, l'avant-garde de l'islam. On compte aussi parmi les premiers musulmans Bilal ibn Rabah al-Habashi, embrassèrent ensuite l'islam Abu Ubaida Amr ibn al-Jarrah de Bani al-Harith ibn Fihr, le loyaliste de cette umma. Abu Salama ibn Abdel Asad, Al-Arqam ibn Abdel Arqam de la tribu de Makhzoum, Othman ibn Mad'oun et ses deux frères Qudama et Abdullah, Ubaida ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf, Saïd ibn Zayd et sa femme Fatima binti al-Khattab, sœur de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, Khabbab de la tribu de l'Arat, Abdullah ibn Mas'oud et bien d'autres. Ceux-là furent la première génération. Il appartenait à toutes les fractions de la tribu Quraysh. Selon Ibn Hisham, il constituait plus de 40 groupes. La mention de certains d'entre eux, comme faisait partie de la première génération, suscite des observations. Ibn Ishaq note ensuite, les gens embrassèrent l'islam par groupe d'hommes et de femmes, à tel point que l'islam se dissémina à la Mecque et fit parler de lui. Ces gens embrassèrent l'islam en secret. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se réunissait avec eux et les orientait vers la religion en cachette, parce que l'appel en était encore à sa phase individuelle et secrète. La révélation s'était poursuivie, devenant plus intensive après la réception des premiers versets d'Al-Muddathir. Les versets et parties de sourate descendues à ce moment sont courts, dotés d'un agencement splendide et original, de rythme posé et fascinant, en conformité avec l'atmosphère alors chuchotante et délicate. Il englobe l'amélioration de la pureté des âmes, l'enlaidissement de leurs souillures dans les saletés de ce monde. Ils décrivent le paradis et l'enfer comme si on les voyait à l'œil nu, transportent les musulmans dans une atmosphère autre que celle qui vivait à l'époque la société des hommes. La prière. L'ordre de faire la prière avait été donné par révélation antérieure. Selon Ibn Hajar, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, priait effectivement avant le voyage nocturne, ainsi que ses compagnons, mais les ulama divergent sur la question de savoir s'il y avait avant les cinq prières coraniques des prières obligatoires. Certains disent que l'obligation se ramenait à une prière qu'on effectuait avant le lever et le coucher du soleil. Al-Harith ibn Asama rapporte par le canal d'Ibn Lahima, qui lui tient ses propos de Zayd ibn Haritha, que Jibril, au tout début de la révélation, apparut au prophète sallallahu alayhi wa sallam
et lui enseigna les ablutions. Lorsque celui-ci eut fini de faire ses ablutions, il prit un peu d'eau et en aspergea son sexe. Ibn Majah a aussi rapporté la même chose. De même, on a apporté quelque chose d'analogue de Al-Bara ibn Azib et d'Ibn Abbas. Ce dernier mentionne il s'agissait là de la première forme d'obligation. Ibn Hisham a noté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons allaient à l'heure de la prière jusqu'au sentier de montagne où ils priaient alors en cachette. Un jour, Abu Talib vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali en train de prier et leur parla à ce sujet. Toutefois, lorsqu'il eut compris le fondement de l'affaire, il les ordonna de continuer. La nouvelle parvint à tous les Qurayshites. La nouvelle de l'appel portant pourtant individuel et secret parvint aux Qurayshites, mais ceux-ci ne s'en soucièrent pas puisque le messager d'Allah ne s'opposait ni à leur religion ni ne parlait à leur divinité. 3 années passèrent au cours desquelles l'appel resta individuel et secret. Au cours de cette période, se continua un groupe de croyants œuvrant pour la fraternité, la coopération, la communication et la mise à l'honneur du messager. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut par révélation d'ordre d'informer sa tribu dont il fallait, du même coup, affronter l'absurdité et attaquer les idoles. La deuxième étape, la généralisation de l'appel. Le premier ordre de rendre l'appel manifeste. La première révélation faite à cet égard fut le verset « Wa andhir ashirataka al-aqrabin » et avertis les gens qui te sont les plus proches. Antérieurement à cela, un texte mentionnait l'histoire de Moussa, alayhi salam, du début de la prophétie, au moment de son émigration avec les fils d'Israël, en passant par le secours qu'Allah lui apporta contre Pharaon et son peuple, la noyade de ceux-ci. Ce récit comporte toutes les étapes traversées par Moussa, Moïse, la paix d'Allah sur lui, à travers l'appel à Allah fait au Pharaon et à son peuple. On dirait que l'objectif de la mention d'une telle histoire, au moment même où le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait l'ordre de généraliser l'appel à Allah, était de donner au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses compagnons, une idée de ce qu'ils allaient rencontrer comme démenti et persécution. En généralisant l'appel, de préparer les musulmans à ce qui allait se passer dès le début de leur appel à Allah. D'autre part, une telle sourate mentionne les conséquences fâcheuses que connurent ceux qui allaient démentir les messagers d'Allah parmi le peuple de Noé, à savoir Ad et Thamoud, de Ibrahim, de Lot, et parmi les gens de Fouré, à l'exception de ce qui a été dit au sujet du Pharaon et de son peuple, pour que ceux qui vont recourir au démenti sachent ce qui les attend, dans quelle mesure ils s'attireront la colère d'Allah s'ils persistent dans leur recours au démenti, pour que les croyants sachent que c'est à eux qu'Allah réserve la bonne fin et non
aux incrédules. Voilà, on va s'arrêter ici. Le prochain chapitre, l'appel des proches. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.